Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Nous allons parler aujourd'hui de la communion et de cette relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Hier, nous avons vu que le Saint-Esprit était bel et bien une personne, et une personne extrêmement importante, car le Saint-Esprit n'est nul autre que Dieu. Il fait pleinement partie de la Trinité. Et hier, on a aussi dit que même si nous ne comprenions pas tout de la Trinité, nous l'acceptions par la foi et que nous acceptions le Saint-Esprit, nous le recevions et que nous voulions apprendre à le découvrir parce que Jésus a dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille afin que le Saint-Esprit puisse venir. Alors nous voulons découvrir qui est la personne du Saint-Esprit. Nous voulons savoir comment interagir avec lui, comment avoir une relation avec lui et ce qu'il peut faire dans nos vies. Alors nous pouvons avoir une relation avec lui parce que une personne, c'est bien, c'est déjà une bonne chose à le savoir. Mais il y a plein de personnes dans la vie où on n'a pas forcément une relation avec toutes les personnes du monde. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons avoir une relation. On peut vraiment avoir une relation. Et pour avoir une relation avec le Saint-Esprit, il faut déjà être conscient de sa présence. C'est un bon point, parce que si Anne, tu es à côté de moi, mais que je décide de t'ignorer, je peux ne pas te parler de la journée. Ce serait très offensant. Ce serait offensant, effectivement, et le Saint-Esprit l'est certainement. Et c'est ça, souvent, en fait, on n'est pas conscient de la présence du Saint-Esprit qui a été mis en nous. Hein. Hier, vous l'avez dit, et à plusieurs reprises, que le Saint-Esprit vraiment était une personne et qu'il était venu, qu'il habitait en nous. Et c'est vraiment quelque chose dont on doit se rappeler régulièrement. Le pasteur Bénin disait souvent, il y a eu le livre « Bonjour Saint-Esprit », il se réveillait le matin, il disait « Bonjour Saint-Esprit ». Ça peut paraître une petite phrase un petit peu anodine, mais ça permet de se souvenir que le Saint-Esprit est avec nous. Mon mari, parfois, avant de se coucher, je l'entends, il dit « Bonne nuit Saint-Esprit ». Des fois, ça me fait sourire, mais c'est vrai qu'il est en permanence avec nous, c'est une personne et c'est quelque chose qu'on néglige un petit peu trop souvent et on passe souvent à côté en fait de toutes les bénédictions qu'on peut avoir, de cette relation privilégiée qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. Donc non seulement on doit être conscient de sa présence, c'est une personne, mais surtout de sa valeur. Et je pense qu'un homme qui est avec une femme dont il a conscience de toute sa valeur, de toute sa richesse, de toute son intelligence, de toute sa beauté, de tout ce qu'elle peut lui apporter, va la chérir, va lui accorder énormément d'attention, va vouloir passer du temps avec elle, va l'aimer vraiment facilement parce qu'il a conscience de la valeur de son épouse et inversement, une femme avec son mari. Et nous, pareillement, je pense qu'on doit passer du temps à méditer sur la valeur qu'a le Saint-Esprit dans notre vie, que ce n'est pas simplement un petit bonus qu'on a eu à la nouvelle naissance, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Et dans 1 Corinthiens 2, au verset 11, on peut lire « En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » On a le privilège d'avoir ce précieux Saint-Esprit qui peut nous révéler les pensées de Dieu, qui peut nous révéler les choses de Dieu, toutes ces choses qu'on ignore, qui nous dépassent complètement, parce que parfois, il faut dire ce qu'il y a, on peut lire la parole de Dieu des fois, et il y a des choses qui sont tellement gigantesques, c'est juste trop, et on n'est pas capable de comprendre avec notre intelligence, notre raisonnement qui est très limité, avec notre esprit justement humain, on est très limité, mais avec le Saint-Esprit qui habite en nous, on a la possibilité de connaître les pensées de Dieu, et ne serait-ce que juste pour ça, la valeur du Saint-Esprit est inestimable, mais il y a tant d'autres choses qui font que le Saint-Esprit a une grande valeur à nos yeux, et vous l'avez dit hier, par rapport à tout ce qu'il peut nous apporter en tant que consolateur, en tant qu'enseignant, toutes ces choses dont vous avez parlé, nous révèlent vraiment la valeur du Saint-Esprit et l'importance de réaliser en fait sa présence dans nos vies. Et hier, Aurélie, tu parlais du fait que la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'était la façon que Dieu a utilisée pour pouvoir restaurer sa présence en permanence. Et j'ai trouvé ce point-là était vraiment important parce que c'est vrai qu'avant, il y a eu le temple, il y a eu tout ça, c'était comme compliqué, il fallait être au bon endroit au bon moment, il ne fallait pas manquer ta chance. Et puis quand on voit, ah, ça avait l'air tellement compliqué, sérieusement. Et nous, on a le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit habite en nous, qui demeure en nous. Et ça, c'est une personne, c'est vrai, mais c'est pas comme une personne même extérieure à nous. Il habite, il demeure en nous, il est avec nous.
c'est encore pire, je dirais, de pouvoir l'ignorer alors que la Bible nous dit l'Esprit de Dieu habite en nous. Oui, vraiment. Il habite en nous et en plus de ça, il est sensible, il a une sensibilité, il a toute une personnalité et il est comme un bien qui nous a été donné, c'est un cadeau qui nous a été donné. Donc c'est vrai qu'ignorer sa présence, c'est vraiment triste. Et la Bible dit que le monde ne peut pas le connaître. Nous, on a cette grâce de pouvoir le connaître. Ce n'est pas donné à tout le monde de connaître le Saint-Esprit, c'est donné à ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont ce privilège de pouvoir entrer en fait dans cette dimension-là d'une intimité avec le Saint-Esprit. Ouais. Et ça, c'est un privilège, je pense qu'on n'arrive même pas à réaliser à quel point c'est grand et à quel point cette relation est précieuse, à quel point elle a de la valeur, elle est importante dans nos vies. Plus importante que toute autre relation qu'on peut avoir avec qui que ce soit dans notre vie. En fait, je pense que ce qu'on a pu goûter dans nos vies, même si on réunissait nous toutes les relations qu'on a pu avoir avec le Saint-Esprit dans nos vies, c'est juste infime comparé à ce qu'on peut vraiment vivre avec lui. Il y a des choses qui sont tellement plus grandes qu'on peut vivre avec lui, une intimité tellement plus profonde, tellement... Il y a vraiment une dimension qu'on doit réaliser de... Il habite en nous. En nous, c'est abstrait, hein, parce que moi, si je regarde en moi, on peut m'ouvrir le ventre, on ne verra pas le Saint-Esprit. C'est très abstrait, mais c'est une personne qui est venue s'installer en nous. Moi, quand j'étais enceinte, j'avais mon bébé qui était en moi, et c'est une relation particulière. Hein, vous l'avez pratiquement toute vécue, tu le vivras, Aurélie. C'est quelque chose de particulier d'avoir un être vivant qui est en nous. Ah ouais, ça, c'est sûr. Et on fait vraiment un. Hein, mes enfants étaient attachés à moi. C'est vraiment spécial comme relation. Et tu fais attention parce que tu portes une vie et tu veux la préserver. Tu veux faire ce qui est bon pour ton bébé parce que tu sais qu'il y a une vie qui est en toi. Exactement. Et pareillement, la vie de l'esprit, ben on devrait avoir ce même désir de la préserver, de la nourrir, de la protéger aussi. Et puis quand on est enceinte, on sait, il y a plein de femmes, elles vont arrêter de fumer à ce moment-là. Elles fument depuis des années, mais à ce moment-là, tu te dis non, je vais arrêter de fumer parce que c'est pas bon. On ne boit pas d'alcool, toutes ces choses-là. Pourquoi ? Pas pour nous directement, mais parce que pour la vie du bébé, bah pour nous aussi c'est bon, mais beaucoup de femmes prennent cette décision juste quand elles sont enceintes parce que la vie de leur bébé est tellement importante qu'elles décident de faire ce qui est bon pour le bébé. Et quand on sait que le Saint-Esprit habite en nous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, bah, c'est vrai qu'on devrait pouvoir avoir ce désir de vivre une vie de sainteté, une vie de consécration, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui habite en nous et on veut le protéger, on veut le préserver, on ne veut pas l'étouffer par une vie dissolue. Et on parlait aussi hier qu'en tant que personne, tu disais un vent, une puissance, ça n'a pas de personnalité. Et donc le Saint-Esprit a une personnalité, je trouve ça vraiment passionnant et intriguant aussi. Oui, bien sûr, le Saint-Esprit a une personnalité et qui dit personnalité dit émotion. Parce que le Saint-Esprit vraiment peut ressentir aussi les choses. On dit qu'il habite en nous, mais comme j'ai dit hier, si on achriste le Saint-Esprit, si on parle du mot achrister, ça veut dire qu'il est possible que le Saint-Esprit soit Christ. Donc, il a une personnalité et c'est à nous, quelque part, de savoir vraiment nous disposer pour que la présence du Saint-Esprit en nous ne soit pas attristé, pour que le Saint-Esprit en nous puisse se déployer. Parce qu'au fond, moi, je pense que vraiment, le Saint-Esprit veut agir. Le Saint-Esprit veut agir dans chacun de nous, mais c'est nous, parce qu'on dit aussi très souvent que le Saint-Esprit, c'est un gentleman, il ne nous force pas, il ne va pas nous obliger à faire ce qu'on ne veut pas faire. Donc, du coup, il nous laisse vraiment la liberté d'être avec lui, de le considérer ou pas. C'est à nous que revient cette liberté-là. C'est à nous de l'apprendre et de dire, oui, moi, je veux considérer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. Et comme la femme enceinte est faite, comme on disait tantôt, je m'ajuste, je m'adapte pour que lui puisse se déployer et pour que moi, quand il se déploie en moi, je puisse vivre la vie qu'il a prévue, que je vive avec lui sur la terre. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est une personne et une personne agit. On travaille ensemble, en fait.
Le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec nous si nous, on ne lui laisse pas cette place-là. Parce qu'en tant que personne, il nous laisse faire, il nous laisse prendre nos décisions, prendre nos pas. Et lui, dès qu'on lui ouvre la porte, dès qu'on décide d'entrer en relation, en intimité avec lui, il prend, il profite de ça, je vais dire, pour pouvoir déposer en nous tout le dépôt dont on a besoin pour vivre notre vie au monde. Mais il y a peut-être des personnes qui nous écoutent puis qui se sentent peut-être mal à l'aise de dire « je vais ouvrir c'est le plus profond de mon être ». Quelque chose d'étranger, mais on l'avait dit dans les émissions, je crois, sur le temps qu'on passait avec Dieu. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un corps étranger, c'est nous, parce qu'on est un avec Dieu, et Dieu est notre Créateur. Et quand on laisse entrer le Saint-Esprit en nous, c'est un témoignage de notre Créateur en nous. C'est le divin qui est en nous, mais on est lui, et lui est nous. Et ça peut être intimidant, et... certaines personnes, peut-être, pas tous, mais je pense que certaines personnes ont comme un mouvement de recul en disant je veux pas m'essayer. Mais il ne faut pas oublier que c'est notre Créateur, il est nous, nous on est lui, c'est une relation, tu as fait un parallèle avec la maternité, mais c'est ça, c'est notre Créateur, c'est nous. Donc ce n'est pas un corps étranger, il ne faut pas relâcher, il ne faut pas retenir. Et ils sont de nos cœurs. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, nous en fait, puisqu'il est Dieu. Il est en fait. Dieu. Ouais. Donc, c'est ça, il nous connaît mieux que nous-mêmes, donc forcément, il n'a pas à se sentir mal à l'aise en sa présence. Au contraire. Et celle qui aurait peut-être de la réticence, il y a un tel bien-être à être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit, à être cœur à cœur. On ne peut pas être cœur à cœur avec Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Oui, c'est ça, et c'est lui qui nous aide à être vraiment toute cette personne que Dieu a prévu pour nous. C'est lui qui nous aide à ressembler à Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans tout ce qui est vrai, dans tout ce qui est juste, dans tout ce qui est honorable. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit vraiment dans la vérité de la parole, mais qui nous conduit aussi vraiment pour la vie que le cœur de Dieu a prévu pour nous. Et sans ce Saint-Esprit-là, je ne sais pas honnêtement ce que moi je ferais. Vraiment, je l'ai cherché sans savoir au début de ma vie chrétienne ce que je cherchais. Et quand j'ai su que c'était le Saint-Esprit dont j'avais vraiment besoin, ma vie a complètement basculé. Mais j'étais née de nouveau, mais quand j'ai vraiment rencontré la personne du Saint-Esprit, ça a ouvert toute une nouvelle dimension dans ma vie. Et le Saint-Esprit, c'est une personne vraiment indispensable pour la réussite dans ma vie, indispensable pour, justement, ce qu'on parle de, pour ma communion, vraiment pour que j'entre en communion avec lui, avec Dieu le Père, avec vraiment avec toute cette personne qui est Dieu. Sans le Saint-Esprit, on est comme desséché, désert aride. Et là, le Saint-Esprit, c'est juste comme un fleuve qui coule. C'est dit dans Romains 5:5 que son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, c'est par le Saint-Esprit, vraiment, qu'on peut manifester l'amour de Christ et que son amour, vraiment, est déversé en nous. Je veux dire, il y a tellement de choses à dire à propos du Saint-Esprit. Quand son amour est déversé en nous, eh bien, son amour nous guérit. Dans notre âme, dans notre corps, son amour transforme nos pensées pour les siennes, transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. Je veux dire, c'est un sujet, Saint-Esprit, je veux dire, c'est comme un puits sans fond. C'est un puits sans fin qui est déposé en nous et on devient ce puits avec un flot sans cesse si on le laisse couler. Il n'y a jamais de fin. Mais si on le laisse couler, justement. Exactement. Si on ne le bloque pas. On le bride, en fait. Et on a vraiment besoin de grandir dans cette communion avec le Saint-Esprit. Et qui dit communion, dit relation, dit dialogue, dit échange. Et il nous parle. La Bible nous dit qu'il nous enseigne des choses, qu'il nous montre, qu'il nous révèle des choses. Mais s'il nous parle, on peut nous aussi lui parler. C'est une discussion à deux sens. Et c'est vrai que parfois, ça...
ça peut paraître bizarre. Ben, on parlait de la maternité tout à l'heure. Parler à un bébé qui existe à peine, on est à 4 semaines de grossesse et on est déjà en train de lui parler. Ça peut paraître ridicule aussi, ouais. Mais non, ça ne l'est pas du tout. Et le Saint-Esprit, parler avec le Saint-Esprit, il n'y a absolument rien de ridicule là-dedans. Et il suffit juste d'essayer, en fait. Mm-hmm. Quand on lui parle, on va réaliser qu'il nous répond, ouais. Qu'il y a vraiment une communion, une discussion qui peut être faite. Donc, je sais que pour certaines personnes, parler avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui paraîtrait bizarre, en mm-hmm. fait. Mais c'est réellement quelque chose qu'il faut expérimenter pour mm-hmm. comprendre ouais. sa puissance, sa profondeur, en fait, dans cette relation. Il faut oser le faire. Mm-hmm. Et c'est ça, comme tu disais, laisser couler, justement, tu parles de ce puits, de cette source qui est en nous. Mais c'est ça, moi, je me souviens d'une fois où ça m'est arrivé, j'avais une situation dans ma vie où je savais quelque chose en moi, mais je n'étais pas capable de m'en souvenir. Il m'était arrivé quelque chose, il fallait impérativement que je m'en souvienne, mais on me réclamait une facture qui était quand même un gros montant. J'étais convaincue de l'avoir payée, mais je n'avais aucune trace. Et j'étais là dans ma voiture et il ne me restait plus qu'un jour avant qu'on me mette des intérêts, merci. Et j'étais toute jeune, je n'avais pas beaucoup d'argent, c'était vraiment important pour moi. Et j'étais dans ma voiture et je dis, Saint-Esprit, toi, tu sais que j'ai payé cette facture et tu sais que dans ma mémoire, quelque part, ça y est, fais-le ressurgir dans ma mémoire. Instantanément, j'ai eu un flash, je me suis souvenue de toute la situation. Mm-hmm. Je suis allée voir les personnes qui me réclamaient cette facture. J'aurais dit, mm-hmm. allez voir à telle date, j'ai payé tel montant. Et effectivement, et en fait, il y avait eu un croisement de factures. Enfin, tout a été réglé. Le Saint-Esprit m'a vraiment répondu, ça a été mm-hmm. instantané. Donc, il y a vraiment cette discussion mm-hmm. qui peut ouais. être faite avec lui. Ouais. C'est pas parler à un mur, c'est vraiment une personne, comme ouais. on l'a dit. Ouais. Et il y a une communion qui peut avoir lieu, une mm-hmm. vraie communion forte. Mm-hmm. Qui et comme peut avoir. Tu dis, c'est que... pour cette situation-là, mm-hmm. la situation t'est revenue en mémoire. Mm-hmm. T'as pas entendu une voix ou je sais pas quoi. Je pense qu'il faut le répéter régulièrement parce que quand on parle du Saint-Esprit, même on se dit, oh, d'accord, c'est peut-être une personne, mais peut-être qu'il parle comme un vent impétueux quand même. Mais il va nous répondre de mille et une façons. Ouais. Et là, toi, t'as demandé... c'est dans ma mémoire, rappelle-le-moi, ou c'est faire remonter cette chose-là. Et c'est la manière dont lui t'a répondu. Il n'y a pas eu un truc, je ne sais pas, genre spectaculaire. Il habite en moi, donc il est capable de me parler à moi-même sans forcément qu'il y ait quelque chose d'extérieur. Mmh. Il est en moi, donc il a simplement parlé à mon âme, en fait. Et puis j'ai su. Mais je sais que ça venait de lui, je le sais, parce que ça faisait des semaines que je réfléchissais, j'essayais de trouver des solutions. J'avais juste pas pensé à m'adresser au Saint-Esprit. Je l'ai fait, ça a été instantané, parce qu'il y avait une urgence à ce moment-là. Mm-hmm. Et je crois que le Saint-Esprit répond vraiment au cri du cœur aussi, puis à la sincérité qu'on a. Quand on le considère réellement comme une personne, il va nous répondre comme une personne, il va agir comme une personne. On a vu, il est très sensible, donc il a besoin vraiment que d'une sincérité de cœur et d'une ouverture aussi, une ouverture de notre âme, en fait, à ce qu'on puisse être en communion avec lui. Ouais. Et on lit dans la Bible, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment peut-on attrister le Saint-Esprit? Parce que bon, c'est une personne qui a des émotions, mais quelles sont ces choses qui vont attrister le Saint-Esprit? C'est sûr que le péché, c'est pas quelque chose auquel le Saint-Esprit prend plaisir. Comme son nom le dit, Saint-Esprit. Voilà, il est saint. Le Saint-Esprit est saint. Donc, tout ce qui est péché, la Bible nous en parle vraiment, l'impudicité, toutes sortes de péchés, quels qu'ils soient, à Christ le Saint-Esprit. Mm-hmm. Et le Saint-Esprit met dans notre cœur vraiment la conscience. Quand on a péché, on le sait, on n'est pas obligé... parce que comme on dit souvent, péché, c'est vraiment manquer le but. Mm-hmm. Donc, il y a des choses, des directions que le Saint-Esprit va nous donner. Et si on ne les accepte pas, on est en train, quelque part, de pécher, on est en train de désobéir. Et là, du coup, on n'est plus en train de plaire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour nous guider. On a vu les rôles que le Saint-Esprit avait hier. Et on a dit que c'est un guide aussi pour nous. Donc, si on accepte que le Saint-Esprit est notre guide, ça veut dire qu'il nous donne une direction, on doit pouvoir la suivre. Et ne pas suivre cette direction-là, ça implique marcher dans le péché, ça implique
prendre les rênes nous-mêmes, alors qu'on sait que c'est le Saint-Esprit qui est venu nous faire manifester la vie de Dieu. Et si on accepte de garder les rênes, là, quelque part, on est en train de désobéir au Saint-Esprit. Donc, pour arriver à ça, vraiment, c'est important de marcher dans la sainteté, parce que tout ce qui est saint, c'est ce qui plaît au Saint-Esprit. Ouais. Et tout ce qui n'est pas saint ne vient pas de lui. Donc, du coup, ça ne peut pas lui plaire. Et j'ai vraiment envie de dire aux personnes que si on n'a pas goûté, on ne peut pas comprendre, en fait. Non, non. Si on n'a pas vécu le Saint-Esprit, si on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qui relèvent de nous-mêmes, dans la mesure où on sait que voler n'est pas bien. Ta simple conscience te le dit, que voler n'est pas bien. La loi te le dit, que mentir n'est pas bien. Et il y a des choses plus poussées, mais c'est quand on vit avec le Saint-Esprit qu'on commence à réaliser que, en fait, il y a telle attitude que je pose qui pourrait sembler normale aux yeux de tout un chacun, mais que je ne devrais plus poser parce que ça me retarde. Et ça me retarde parce que je sens dans mon témoignage intérieur que le Saint-Esprit, il n'est pas d'accord avec ça. Ouais. Et une fois qu'on est sur... une fois qu'on vit dans ce sens, qu'on recherche à obéir au Saint-Esprit, qu'on recherche à lui faire plaisir, à plaire au Saint-Esprit, là, on est en train de vivre l'intimité, on est en train de développer notre relation avec le Saint-Esprit. Elle ne va plus juste s'arrêter à ce qu'on sait comme ça, de façon lâche dans la vie, qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais on va vraiment pousser, on va aller plus loin dans des situations précises. On sera conduite comme la situation que tu as illustrée, Evelyne. Et dans tout, en fait, j'ai envie de dire, dans tout, le Saint-Esprit va pouvoir nous diriger, même dans les choses les plus simples, même dans les choses qu'on estime être des détails. Le Saint-Esprit a son mot à dire sur ces choses-là. Et pour y arriver, c'est vraiment l'obéissance, c'est marcher avec sainteté, c'est marcher dans le but de faire plaisir au Saint-Esprit, de l'honorer, de le respecter. C'est vraiment ça qui plaît au cœur de Dieu, en fait. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence dans une vie. Dans la vie, il y a des personnes, quand on les voit, on voit la différence. C'est des personnes, généralement, qui honorent le Saint-Esprit. C'est des personnes qui veulent, dans tout ce qu'elles entreprennent, faire plaisir au Saint-Esprit. Et je pense que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est être chrétien, c'est faire plaisir au Saint-Esprit. On a décidé de ne plus se conformer au monde. On a décidé de ne plus marcher comme... on marchait avant pour pouvoir honorer le Saint-Esprit, pouvoir prendre soin de sa présence en nous, l'entretenir. Et pour moi, c'est ça l'essence même de la vie chrétienne, c'est de marcher dans l'honneur par rapport au Saint-Esprit. Et on a besoin du Saint-Esprit aussi pour avoir une vie de prière, une communion, une intimité avec Dieu qui va être encore plus forte, parce que Jésus dit « Il me glorifiera ». Et le Saint-Esprit est celui qui va toujours nous pousser à adorer, à glorifier Jésus, à nous rappeler de Jésus, à rappeler ce que Jésus a dit. Il nous dit « Il vous rappellera ce que moi j'ai dit ». Le Saint-Esprit ne parlera pas par lui-même, il parlera de ce qu'il a déjà entendu. Et il est celui qui nous rapporte les paroles du ciel pour nous. Ouais. C'est comme, voilà ce que j'ai entendu du ciel pour toi, pour ta vie, voilà ce que dit la parole. Il est celui qui nous rappelle toutes choses. Et puis c'est vrai qu'une vie de prière, on en parlera plus en détail dans la semaine de la prière dans l'esprit. Mais de cette communion avec le Saint-Esprit, ça passe par des temps de prière où on va pouvoir parler au Saint-Esprit. C'est sûr, on va lui demander des choses pour nos vies de tous les jours, des choses très pratiques. Et puis de vouloir s'en passer, ce serait ridicule parce que ce n'est pas spirituel. C'est faux parce qu'il a dit « je vais vous donner le Saint-Esprit, ce sera un consolateur, un conseiller, un enseignant ». Pourquoi nous priver de tout ce que le Saint-Esprit veut faire? Pourquoi nous priver de cet associé si efficace? Mais aussi, il veut nous amener dans des plus grandes profondeurs, dans des dimensions d'intimité encore plus grandes dans la présence de Dieu. Et là aussi, on a besoin du Saint-Esprit. Souvent, on parle, il y a des gens qui prient et ils disent « mais moi, Dieu ne me parle pas ». Là, on l'a souvent entendu. Moi, je prie, mais moi, Dieu ne me parle pas. Ouais. Mais c'est parce que quand Dieu parle, quand le Saint-Esprit est là, Dieu, par le Saint-Esprit, peut me répondre. Ou par le Saint-Esprit, peut m'indiquer un passage que j'ai déjà lu. Exactement. Par le Saint-Esprit, peut me rappeler une circonstance ou une parole que j'ai entendue dans une prédication ou une lecture que j'ai faite. Donc, c'est la différence
entre prier puis pas sans avoir le Saint-Esprit, tu pries un Dieu qui est là, tu sais, vaguement. Tu sais, il y en a beaucoup, des gens qui font « bon, ben Dieu, si tu m'entends ». Mais quand le Saint-Esprit est là, Dieu va pouvoir répondre par son Esprit, pouvoir nous indiquer, nous corriger, nous façonner par son Esprit. Donc la richesse de notre communion avec Dieu, la richesse, elle va être dépendante de la présence ou non de l'Esprit de Dieu en nous. Hein. Oui. Ah oh ouais, ça donne envie. Ouais, ça donne envie d'aller prier. Bon, on va se laisser. Et depuis juste hier, en fait, on parle du Saint-Esprit et je veux juste vous dire, on a prié pour ces émissions et on a vraiment senti dans notre cœur que c'était des émissions qui allaient créer quelque chose de nouveau en vous, qui allaient faire éclore une vie de l'Esprit en vous. Et on aimerait prier pour vous, nous associer avec vous pour que vous puissiez découvrir la personne du Saint-Esprit, que vous puissiez avoir cette communion avec lui et que tout simplement vous puissiez commencer à lui parler pour qu'il puisse se révéler à vous et que d'une vie spirituelle qui était sèche, vous puissiez avoir une vie qui est comme ce puits sans fond dont Mathilde parlait, avec un flot qui ne s'arrête jamais. Alors si on pouvait, Mathilde, est-ce que tu peux prier s'il te plaît pour ces femmes afin que ce flot puisse jaillir dans leur vie? Avec plaisir. Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Merci d'être venu restaurer ce qui était brisé. Merci, Seigneur, pour cette relation qu'on peut avoir avec toi. Et aujourd'hui, je veux prier pour toutes ces personnes qui nous écoutent, afin qu'elles puissent te découvrir, afin qu'elles puissent découvrir cette merveilleuse personne que tu es, cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Viens les remplir à déborder, et que chaque personne, chaque individu qui te reçoit aujourd'hui puisse devenir ce puits sans fond, qui coule et que tes eaux vives jaillissent dans chacune des personnes. Esprit de Dieu, je te remercie parce que tu es vivant, parce que tu parles, parce que tu te révèles, parce que tu consoles aujourd'hui. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, touche. Esprit de Dieu, manifeste-toi parce que tu es vivant. Parce que tu es saint, parce que tu es grand, parce que tu veux agir aujourd'hui, parce que tu veux restaurer. Alors, Saint-Esprit, Seigneur, je te remercie de nous avoir laissé ce consolateur, ce guide merveilleux et glorieux. Je te prie que chaque personne qui reçoit et qui fait cette prière avec moi, avec nous aujourd'hui, puisse te connaître d'une manière vraiment nouvelle et fraîche et connaître cette nouvelle dimension glorieuse de l'Esprit. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, prenez conscience que le Saint-Esprit, cette personne précieuse, est à vos côtés, est en vous chaque jour de votre vie. Et commencez à faire cet exercice, à prendre cette habitude de lui parler, de lui dire, Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, je veux avoir cette relation avec toi. Et juste commencer à entamer la conversation et le Saint-Esprit va vous répondre. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseignemoi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseignemoi.com.